le Seigneur, shalom à vous, vous qui êtes branchés, connectés ce matin encore dans notre programme Précéder l'Aurore. Shalom, 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 frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, merci pour votre présence. Nous vous saluons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour nous, de frères et sœurs, de demeurer ensemble. Et être ensemble aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous. Shalom, Pasteur Honorine. Shalom, homme de Dieu, apôtre Bolavie Isaou, il est agréable et doux pour deux frères de bien-aimés de demeurer ensemble. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction, c'est là que Dieu envoie la vie pour l'éternité. Cela veut dire que quand nous sommes ensemble comme ça, autour de la table, autour de Jésus, nous avons la vie. Ce n'est pas parce que nous vivons pas, ce n'est pas que nous n'avons pas la vie éternelle, mais notre vie, parce que la parole de Dieu, c'est la parole qui donne la vie, c'est la parole qui nous ressource, c'est la parole qui nous oriente, et la vie demeure en nous, parce que nous sommes branchés dans l'arbre qui donne la vie. Nous sommes les étapes, et si nous voulons vivre longtemps, nous devons être accrochés à le tronc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est vraiment agréable pour nous de demeurer ensemble, de vivre là ensemble, et c'est ici que nous voyons la main de Dieu, parce que là, dans la connaissance de la parole, Dieu agit. Il envoya sa parole et la parole les délivra. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que aujourd'hui, j'attends avec impatience, je n'arrive pas à dormir parce que j'attends avec impatience la journée d'aujourd'hui, homme de Dieu. Ce soir, je sais que c'est une grande journée. C'est un grand programme qui commence, donc je suis là excité, je n'arrivais pas à dormir, j'ai imaginé, j'ai levé mes yeux vers l'éternel, je regarde, comme j'espère en Dieu, je sais que les bonnes choses vont commencer, donc je suis à l'attente de mon miracle, je suis à l'attente de ma bénédiction, je ne sais pas si c'est ton cas, mais aujourd'hui laisse-moi te dire que c'est une journée glorieuse. La journée d'aujourd'hui sera inoubliable parce que nous commençons avec l'éternel, avec sa puissance, son onction, nous commençons avec son pouvoir, son autorité, je ne sais pas, vraiment, j'aimerais vraiment que tu ne puisses pas rater. Donc c'est sans vouloir t'exciter, je gère ma joie pour moi, et j'aimerais vraiment qu'à la fin de cette émission, que tu puisses te préparer à cette attitude-là de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Aujourd'hui encore, c'est une journée spéciale que Dieu a fait. Donc que ce soit pour nous un sujet de joie, comme moi j'ai déjà commencé, et nous demeurons toujours dans l'assistance du Saint-Esprit, et nous avons compris que sans le Saint-Esprit de Dieu, il n'y a rien de bon qui peut se faire. Donc entre ses mains, nous laissons aussi la journée d'aujourd'hui, le programme d'aujourd'hui qui nous conduise au nom du Seigneur. Donc voilà, donc c'est aujourd'hui, aujourd'hui c'est aujourd'hui, aujourd'hui c'est pas hier, aujourd'hui non, c'est aujourd'hui. C'est une journée que l'Éternel a fait, une nouvelle journée. Il n'y aura pas, il n'y a pas, jamais eu un vendredi comme ce vendredi. Il n'y en aura jamais. Donc nous devons profiter au max de cette journée. Et en plus de cela, aujourd'hui nous débutons notre retraite à Liège. Amen. Donc c'est une retraite qui va prendre 3 journées. Donc nous commençons déjà aujourd'hui. Pour ne pas rentrer dans la retraite, je voulais que nous puissions prendre un peu le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Amen. Nous avons intitulé ce thème assécher les eaux. Les eaux. Donc comment assécher les eaux et pourquoi assécher les eaux? Parce que nous sommes dans cet enseignement, dans cette série d'enseignements sur les esprits des eaux. Donc nous sommes en train de combattre les esprits des eaux. La Bible déclare que Dieu a dit à Moïse, pendant qu'il était encore en train de perdre le troupeau de son beau-père Jéthro dans le désert de Madian, et la Bible nous dit que Dieu, dans le désert, je voulais dire, et Dieu lui a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple, je vis sa souffrance et je t'envoie pour aller les délivrer. Moïse est allé, il a délivré le peuple d'Israël du pharaon de l'Égypte, et ils sont sortis, ils ont traversé le désert, mais arrivé un moment, ils ont fait face à un autre pharaon, mais ce pharaon maintenant, ce n'était pas un homme, mais c'était le Léviathan, celui que nous appelons le Léviathan, parce que vous savez, quand tu regardes dans le psaume 74, le verset 14, 74 je crois que les français disent 74, ok, donc le psaume 74, le 14e verset, la Bible nous dit, tu écraseras la tête du crocodile. Amen.
tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Mm. Ça, j'aime ce détail ici, le peuple qui est dans le désert. Mm. Vous savez, le désert, c'est là où il n'y a pas d'eau. Mm. Donc nous, nous sommes un peuple qui est dans les déserts. C'est pourquoi Dieu nous donne la tête du crocodile. Amen. Donc la tête du crocodile nous a été livrée. Mm. La Bible nous dit, lorsque Moïse est arrivé devant la mer rouge, mm. il a vu la mer. La mer était plus puissante que Pharaon. Mm. Tu pouvais combattre Pharaon, mais qui pouvait résister à la mer? Qui pouvait traverser cette mer? Mm. Cette grande mer qui s'éteignait comme un grand obstacle mm. devant le peuple d'Israël. Mm. Mais la Bible nous dit, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Bien-aimé mm. dans le Seigneur, Jesus. Dieu lui a posé la question. Bien-aimé, mm. je voulais dire à quelqu'un que tu as quelque chose. Amen. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais mm. tu as quelque chose dans ta main. Quelque oui. chose. Regarde, amen. Regarde ta main, il y a quelque chose dans mm. ta main. C'est avec cette chose puissante mm. que tu as dans ta main mm. que nous allons assécher le zoo. Mm. De la même manière que Moïse avait asséché le zoo mm. pour permettre à son peuple de traverser, mm. toi aussi tu dois assécher le zoo pour permettre que le mariage soit célébré dans ta famille. Amen. Tu dois assécher les eaux pour permettre à ce que tes enfants réussissent là où tes parents ont échoué. Mm. Oh, ça, c'est un bon détail. Amen. Donc, il y a là où les parents ont échoué, mm. tes enfants peuvent réussir. Mm. Si seulement toi, tu prends la responsabilité d'assécher mm. les eaux. Mm. Les eaux qui ont voulu t'échouer, te faire échouer, tu dois les assécher. Mm. Et quand la Bible nous dit, Moïse a asséché les eaux mm. de la mer, le peuple d'Israël a pu le traverser. Amen. Donc aujourd'hui, nous voulons parler de la manière dont nous devons assécher le zoo. Mm. Pourquoi nous devons assécher le zoo? Mm. La première des choses, bien aimé dans le Seigneur, mm. nous avons vu clairement mm. que les esprits de zoo se déploient et sont dans leur milieu lorsqu'ils trouvent des zoos. Mm. Donc nous devons les limiter. Pour les limiter, les zoos dans lesquelles ils sont en train de nager, mm. nous devons les assécher. Mm. Nous devons chauffer ces zoos mm. avec le feu du Saint-Esprit, bien Amen. Sûr. Amen. Mais nous devons les assécher. Mm. Comment? Nous allons le voir tout au long de ce message. Mm. Pasteur Honoré. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te sous-estime pas. Il ne faut pas te sous-estimer. Pensez que tu n'as pas assez de pouvoir pour affronter ces géants. J'ai dit les géants parce qu'ils sont terribles dans leur milieu. Mais toi, tu n'es pas seul. Toi, tu as le Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le roi David n'avait pas encore le Saint-Esprit de Dieu. Et Jésus n'était pas encore là, mais il n'était pas intimidé. Il était confiant en lui. Quand il cria à l'Éternel, l'Éternel lui répondait. Et il a été délivré des esprits de zoo. Pour te compléter, homme de Dieu, le psaume 18 nous dit quoi? La manière dont Dieu a agi dans la vie du roi David quand il a asséché les eaux. Mmh. La Bible dit, l'Éternel tonna dans les cieux, donc il a invoqué le feu de Voran, la puissance du feu du Saint-Esprit. L'Éternel a tonné dans les cieux, du narine de Dieu, le feu sortait. Et qu'est-ce que nous avons vu? L'Élie des eaux apparut dans le psaume chapitre 18, mmh. verset 15. L'Élie des eaux apparut et les fondements du monde furent découverts par la menace et le bruit du souffle de narine de Dieu. Donc le feu, c'est un élément capital pour combattre les esprits des eaux. Donc pour combattre les esprits des eaux, il faut les enlever dans leur milieu, le milieu où ils se déploient, où ils sont puissants. C'est comme un poisson qui est dans l'eau. Quand tu l'enlèves de l'eau, tu l'exposes là sous l'étalage pour le vendre. Il n'est pas puissant, il ne sait pas se déplacer, il est à ta merci. Tu peux le prendre, le tuer quand tu veux. Quand tu le mets dans l'aquarium, il vit parce que c'est son milieu. Donc nous sommes là, les esprits des eaux, ils ont tellement plusieurs aquariums dans notre corps parce qu'il y a de l'eau au milieu de nous, il y a de l'eau dans notre maison, il y a des endroits, il y a des canalisations, des tuyauteries, où le passage de l'eau qui le permet de vivre là. Mais spirituellement, nous voulons assécher ces endroits par la puissance du feu pour qu'ils ne puissent pas se déployer, qu'ils soient à notre merci. Et là, nous allons les massacrer. Donc voilà, donc, nous sommes un peuple qui vit dans le désert. Nous sommes comme les Israélites. Nous devons vivre dans le désert, dans le sec. Amen. Donc nous sommes dans le sec. Donc le crocodile, quand il arrive, il n'arrive pas à déployer sa force. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas un bon environnement pour lui. Amen. Donc et la Bible nous dit dans Exode chapitre 14, le verset 16, lève-toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Donc la mer doit être asséchée. La mer
doit être asséché. Bien aimé, le pasteur nous a dit que nous avons besoin du feu. Donc pour assécher la mer, pour assécher les eaux, nous avons besoin du feu. Et le feu est disponible. Alléluia. Non, je voulais rassurer quelqu'un. Toi qui as tout le temps de rêve, toi qui rêves que la nuit, tu te retrouves dans des lacs, tu te retrouves dans des rivières. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu vas réciter après moi cette prière en disant l'eau dans laquelle je me suis retrouvé cette nuit. Je te localise là où tu es. Amen. Et je t'envoie le feu de Dieu. Que tu sois chauffé, chauffé. Et que tous les esprits qui sont en toi tarissent, meurent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, notre arme la plus efficace, c'est la parole. Amen. David a dit dans le psaume 32, lorsque je me suis tu. Le problème, c'est que depuis longtemps, tu as toujours fermé la bouche. Tu n'as jamais parlé. La nuit, tu vois des menaces. Et pendant la journée, tu es là, tu regardes. Qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir de cette histoire? Qu'est-ce que je dois faire? Tu cherches des solutions. Mais bien aimé, la solution se trouve dans ta bouche. Amen. Vous savez, pour que le sorcier puisse maudire ta vie, qu'est-ce qu'ils font? La nuit, ils ne laissent pas dormir. Ils commencent à déclarer des choses sur ta vie. Et ce sont des choses qui arrivent pour détruire ta destinée. Nous aussi, nous avons une arme efficace. Cette arme est le feu. Nous allons envoyer le feu de Dieu dans toutes les rivières dans lesquelles tu te retrouves. Amen. Alléluia. Nous allons envoyer le feu dans toutes les maisons dans lesquelles tu te retrouves. Tu te retrouves toujours où? À Bandal. Là, chez ta grande mère. Là où tu as grandi. Ok, d'accord, c'est bien. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui encore, je me suis retrouvé à Bandal. Là où je me suis retrouvé pendant la nuit. Moi, pour la vie, j'envoie le feu de Dieu. Amen. Que le feu de Dieu puisse détruire tout ce qui me réclame dans cette maison. Amen. Là où est mon âme, c'est là où sera. Et là où est mon corps, c'est là où sera mon âme. Je refuse d'être retenu dans cette maison. Nous avons déjà vendu la maison, mais pourquoi je me retrouve toujours dans cette maison? Je n'ai jamais été au banc de nous dans le village de Basakata. Pourquoi moi je me retrouve toujours dans la rivière? Je n'ai jamais été à Matadi. Pourquoi toujours dans mes rêves je me vois avec des sirènes? Je vais aujourd'hui envoyer le feu de Dieu dans tous les jours dans lesquels je me retrouve dans mes rêves. Amen. La sirène qui vient partager mon lit chez moi à la maison. Que ma maison devienne une flamme de feu. Amen. Je vais assécher le eau qui est sur mon lit conjugal, qui te permet de venir et de t'asseoir, de dormir. Aujourd'hui, que cette eau soit asséchée, au nom de Jésus-Christ, que cette eau soit chauffée, que le feu vienne chauffer le. Vous savez, quand il y a beaucoup de feu, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a beaucoup de feu, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de puissance. L'eau commence tout d'abord à s'échauffer. Mais pour finir, l'eau va s'assécher. Amen. Donc nous allons assécher le eau avec le feu. Donc il ne faut pas regarder à la quantité de l'eau qui se trouve dans quel que soit. N'aie c'est pas un peu, peur. Je vais illustrer. Laisse le temps simplement. Quand nous sommes dans la cuisine et que nous mettons une marmite dans le feu, une marmite remplie d'eau. Au début, il y a seulement cette même quantité de chaleur est en train de chauffer, mais l'eau résiste encore, il est encore tiède, il résiste encore. Après, ça va commencer à chauffer. Après, ça va commencer, l'eau va arriver à l'ébullition. Et à l'ébullition, là, l'eau va commencer à, peut-être que tu vois comme ça, tu vois qu'il y a encore d'eau, mais laisse-moi te dire qu'il y a déjà l'évaporation qui commence à faire, il y a déjà la diminution qui commence à faire que tu ne vois pas invisible. Il y a déjà l'eau qui commence à s'évaporer, à s'échapper. Jusqu'à un moment, quand il reviendra, tu vas trouver que la casserole est sec, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau et l'eau est partie. Donc, ce que nous allons faire, dans cette prière-là, tu vas commencer à invoquer le feu à partir d'aujourd'hui, tous les jours de ta vie, quelle que soit la quantité de l'eau où tu te trouves, que ce soit dans la rivière, le lac ou même dans l'océan, dans l'Atlantique, même la quantité de l'eau, tu vas chauffer l'eau et qu'il arrive ou non, sache que cette eau-là sera asséchée et il y aura plus loin cette eau-là qui est dans ton corps va s'assécher. Le diable est le maître d'intimidation. Dans la délivrance, parfois, quand tu lui demandes où tu es, où il dit, je suis dans l'Atlantique. C'est pour te montrer que moi, je ne suis pas une sirène. Normal, je suis dans le profondeur. De lacs ou encore de douches. Je suis terrible parce que je maîtrise les eaux. Je suis la reine des sirènes. Moi, je dis au diable, même si tu es le Léviathan en personne, que tu sois dans les Atlantiques, que ce soit dans la mer, que tu sois dans le fleuve du Congo, que tu sois dans les lacs Tanganyika, peu importe l'endroit dans lequel tu te trouves, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, l'eau dans laquelle tu te trouves, le nom terrible. Chauffer cette fois.
Au nom de Jésus, je dis l'eau dans laquelle tu te trouves, je le chauffe cette fois. La fournaise va chauffer. Là où tu es, les écailles vont tomber. Amen. Je chauffe l'eau dans laquelle tu te trouves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chauffe l'eau dans laquelle tu te trouves. Tu ne vas plus utiliser tes nachoires. Tu ne vas plus utiliser ta chevelure. Sur tes cheveux, j'envoie le feu de Dieu. Amen. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Bien aimé dans le Seigneur, dans le combat spirituel, il faut être résistant. Amen. Plus résistant que ton ennemi. La Bible nous dit que pendant que Israël était en train de combattre Amalek à Rephidim, Moïse a dit à Josué, prends les hommes, va combattre Amalek. Lui avec Aaron et Hur, ils ont monté sur la montagne, ils ont commencé à prier. Bien aimé dans le Seigneur, un moment, la résistance, un moment, Moïse a senti ses mains se fatiguer. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un, ce n'est pas le temps de te fatiguer. Non. Ton mariage est prêt. Les esprits des autres que tu as combattu depuis si longtemps là. Amen. Ils ont déjà commencé à perdre de terrain. Dans peu de temps, je vois un homme qui arrive dans ta vie. Les intimidations que tu reçois, cela veut dire qu'ils sont arrivés à la fin. Je vois un homme, celui-là qui est parti là, c'est pas le bon. Le bon arrive. Arrive. Le bon arrive. Au nom de Jésus. Ma soeur, ne te décourage pas. Les eaux doivent être asséchées. Les eaux qui se trouvent dans la maison de ton père, là où tu te vois toujours en train de nager. Amen. Ces eaux doivent être asséchées. Les eaux doivent être asséchées. Nous allons chauffer les hommes, nous allons chauffer jusqu'à ce que ça va quoi? Ça va s'assécher. Donc, quelle que soit la quantité de l'eau, cette eau-là va assécher. Le roi David, qui te permet d'être en connexion avec les esprits des eaux, il faut les assécher. Je vais dire à quelqu'un que le roi David a expérimenté ça. Donc, ce sont des choses réelles. Donc, quand tu lis le livre des psaumes, chapitre 18, verset 15, la Bible dit, le lit des eaux a paru. Là où il dort. Les fondements du monde furent découverts. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu l'a sorti de l'eau. Il dit, il me délivra des grandes eaux. Cela veut dire que lui, il était peut-être dans l'Atlantique, on ne sait pas. Il était dans le... Parce que pourquoi dans l'Atlantique? Parce que c'est l'Atlantique qui contrôle tous les eaux du monde. Donc, il dit, il était dans le puissant, dans les grandes eaux. Mais la Bible dit que cette eau-là était sec. Les lits des eaux, donc il n'y avait plus l'eau, il y avait seulement la terre ça sèche. Ça va finir donc, aujourd'hui. Quel que soit là où tu te trouves, le feu de Dieu est puissant. Le feu de Dieu est puissant. Le feu de Dieu est là. Il n'y a rien. Tu vois, quand je vais illustrer les choses de Dieu, tu vois la personne qui a créé le soleil, homme de Dieu. Le soleil, depuis la création du soleil, il n'y a personne qui est arrivé à voir, à toucher le soleil. Même les astronautes, les savants, ils ont tout fait pour aller contempler. Ils ont visité toutes les planètes. Mais les soleils, ils ne savent pas toucher. Ils ont essayé des engins spatiaux où ils ont mis les choses thermiques qui peuvent refroidir à l'approche du soleil, à quelques milliards de kilomètres, quelles que soient les disponibilités de thermiques qu'ils ont mis et pour refroidir, le ça soleil, brûle toujours. Le grand soleil qui va assécher ton eau. Seigneur Jésus. Jésus-Christ, le soleil levant, celui-là que nous allons invoquer dans le feu, nous allons invoquer dans les eaux pour que ces eaux soient taries. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, comme je le dis, nous sommes en train d'assécher les eaux par le feu et au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et une fois que le lit des eaux sera à Paris, c'est-à-dire quoi? Il n'y aura ils plus de eaux. Découvert. Nous allons le voir là sortir. Les monstres savez, marins. Le monstre marin, nous toutes allons les le voir. Formes, toutes les ils vont sortir au bord. On va les voir. Comme nous les avons vus. Là, la sirène qui est à Paris sur le bord, nous allons le voir parce que son eau sera asséchée. Et à ce moment-là, la tête de Léviathan sera écrasée. Amen. Alléluia. Nous asséchons les eaux et nous le voyons découvert. Nous le faisons apparaître. Nous le faisons apparaître et là, nous écrasons sa tête. Alléluia. Nous écrasons sa tête. Que ce soit l'épée, les marteaux. Et tu peux les découper. Moi, qu'est-ce que je fais avec les esprits des eaux? Je prends l'épée du Saint-Esprit, je les coupe en morceaux comme on coupe les lardons. Alléluia. Alléluia. Parce que je ne veux même pas prendre le risque que la queue bouge. Non. Je ne vais pas prendre le risque que la main bouge, non. Donc, je les coupe en morceaux par l'épée du Saint-Esprit, comme des lardons. Et quand j'ai fini de couper, je prends ces lardons-là, comme les grands cuisiniers, je les jette au feu. Amen, tu vois les lardons amen, sur amen, le feu avec amen. La graisse. Tchalalalala, donc, ça commence vraiment à diminuer jusqu'à disparaître. Bien-aimé dans le Seigneur, donc tu peux utiliser tous les armes que tu veux quand ils sont écraser la tête de Léviathan. Tu dois écraser sa tête. Donc, là, nous ne sommes pas en train de blaguer. Nous sommes dans les combats spirituels. Non, là, ça a déjà commencé. Et les armes que nous sommes en train de
démontrer là, ce sont des armes très redoutables. Ce sont des armes très efficaces. La seule chose pour que ces armes puissent bien marcher, tu dois avoir une bonne relation avec Jésus. Amen. Donc tu ne dois pas être quelqu'un qui fait des zonding, quelqu'un qui fait des bêtises. Non, tu dois marcher dans la sanctification. Si tu es un homme marié, reste marié à ta femme, respecte ta femme, respecte le principe que Dieu a établi pour le mariage, et tu verras comment est-ce que les eaux doivent s'assécher. Ce n'est pas normal que toi, un enfant de Dieu, tu puisses avoir les mêmes expériences depuis longtemps. Je combats toujours, mais je n'ai jamais eu la victoire. Ce n'est pas normal, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas été créé pour vivre dans l'échec. Non. Les eaux doivent être asséchées. Tu dois écraser la tête de Léviathan. Tu dois écraser la tête du Sirène. Et en plus de cela, tu as aussi la possibilité de décréter un jugement de Dieu. Amen. Alléluia. Oui, tu peux faire un jugement, tu peux prononcer un jugement de Dieu sur tous les autels sataniques plantés dans le zoo et qui parlent contre toi. Alléluia. Il y a des hôtels dans le zoo. Les hôtels, il y a un frère qui m'appelle pour me dire, homme de Dieu, tu sais, ces jours-là, quand tu étais en train de conduire la prière, et tu as dit que tous les hôtels des esprits de zoo qui sont dans notre vie soient démolis. Et il a dit, je sentis comme si en moi, il y avait de manifestations. J'ai dit, mon frère, et c'est par l'inspiration de Dieu que nous lançons ce genre de points de prière. Donc, réellement, il y avait des hôtels des esprits les eaux. Bien aimé, nous allons aller à la rencontre de ces hôtels parce qu'une fois les eaux sont asséchées, nous voyons tout ce qui était caché dans l'eau. Et là, nous commençons à les démolir. Alléluia. Les hôtels dans lesquels tes enfants ont été représentés, nous les démolissons. Les enfants qui se sont faits dans l'eau, soi-disant que ce sont tes enfants, ils les ont faits avec ta sémence et ton superbe, nous les détruisons. Ce sont des démons. Bien aimé, c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, là, nous sommes dans un cas ou dans un camp où nous avançons. Donc là où nous sommes, c'est quitte ou double, c'est à prendre ou à laisser. J'aimerais t'exhorter, il faut mettre ta vie en règle. Il faut mettre ta vie en règle parce que les démons là que nous sommes en train de provoquer là, aux Okanes là, nous sommes en train de rentrer vers eux. Si tu n'es pas réglo, tu n'es pas bien, tu n'es pas en règle, fais très attention parce qu'il est méchant et il ne va pas te rater. Raison pour laquelle tu le combats, mais tu vois que ta vie devient de plus en plus compliquée parce que tu es en train de jouer dans un terrain que tu ne maîtrises pas. Donc avant de jouer dans ce terrain-là, il faut maîtriser à ta vie, il faut régulariser à ta vie parce que là où tu mets tes pieds, c'est un terrain étranger, c'est un terrain que tu dois connaître et maîtriser. Donc avant de commencer à faire ces choses, regarde un peu en toi, examine-toi. S'il y a des choses, il y a des zones d'ombre, il y a des portes, des fenêtres, des issues, des trous, des trouillards qui sont encore ouverts, commence à les fermer parce qu'à la moindre filtration, le diable ne te ratera pas. Donc vraiment, les armes sont là. Tout est à notre disponibilité. Dieu nous a donné l'autorité, le pouvoir d'agir tant que tel. Mais est-ce que ta parole est assez puissante pour combattre ces esprits? Tu as confiance à ta parole. Tu as la foi, tu as l'espérance, tu as l'endurance, tu as tout ce qu'il faut. Mais ce qui te reste, c'est la puissance, le pouvoir là que tu exerces. Il faut que la puissance accompagne ta parole. Ce qui fait que ta parole n'est pas puissante, c'est parce que ta vie n'est pas encore en règle. Commence un peu à mettre ta vie en règle. Commence à régulariser ta situation. Peut-être que tu marches avec Dieu, mais regarde très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'es pas encore légal? Et commence, même quand tu es là, tu as tout laissé, comme l'homme de Dieu dit, l'enzonding, toi tu as fini, tu es dans ton mariage, tout ça. Mais examine-toi très bien dans ton mariage. Est-ce que tu vis conformément à ce que Dieu te demande? Tu es une femme mariée. Est-ce que tu obéis à ton mari? Est-ce que tu es soumise à ton mari? Est-ce que tu es dans la vision de ton mari? Est-ce que tu respectes ton mari? Est-ce que ton mari n'est pas ton marchepied? Est-ce que tu n'es pas impoli à ton mari? Donc c'est toutes ces choses-là que tu es dans les règles, mais tu n'es pas encore conforme dans la parole de Dieu. Commence à régulariser ça, parce que si tu es quelqu'un qui insulte son mari, qui est quelqu'un qui ne le respecte pas, sache-le que c'est un trou que l'esprit des eaux va revenir rentrer pour te frapper. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que il est important que nous puissions comprendre que nous sommes victorieux dans le combat spirituel. Amen. Nous ne combattons pas pour être victorieux. Nous combattons déjà dans la victoire.
dans la victoire. Parce que nous sommes des saints, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des adultes. Jésus-Christ a vaincu le diable. Amen. Donc le Dieu qui s'oppose à la délivrance, il croit que nous annulons l'œuvre de la croix. Non, nous opérons dans l'œuvre de la croix. Nous Amen. Commençons à opérer à partir de la croix. Donc nous croyons tellement à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie que nous continuons aussi cette œuvre. À la puissance qu'il nous a donnée, nous exerçons aujourd'hui, l'autorité qu'il nous a donnée. Aujourd'hui, le zoo dans laquelle tu te retrouves doit être asséché. Là où il prend tes enfants, là où tes enfants sont emprisonnés, nous allons les assécher. Vous savez, le combat, beaucoup de gens, ils ont connu tellement le combat spirituel dans le lieu céleste qu'ils ont négligé le combat spirituel dans le zoo. Et pourtant, les esprits dans qui les sont dans le zoo, ils sont plus terre. Nombreux que les esprits qui sont restés dans le lieu céleste. Amen. Il y a des gens qui ont combattu des esprits qui étaient sur la terre. Ils ont négligé les esprits qui étaient dans le zoo. Et pendant ce temps-là, le diable était content parce qu'il a dit, l'apôtre Paul a bien dit, mais il a simplement révélé une partie des combats spirituels, c'est-à-dire que les esprits qui sont dans le lieu céleste, ok, gloire à Dieu, maintenant moi, je vais rester dans le zoo. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous découvrons sa cachette. Amen. Nous découvrons son lieu secret. Dans quelle rivière il se cache. Que les anges de Dieu nous conduisent. Que les anges de Dieu nous montrent là où il se cache. Et nous allons le délocaliser. Amen. Nous allons le frapper dans sa retraite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'arme la plus efficace que tu as dans le combat spirituel, c'est ta bouche. Amen. Alléluia. C'est la parole. Tout ce qui a été créé, Dieu les a créés par la parole. La prière, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux jamais sous-estimer ta prière. Amen. La Bible nous dit, Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Que nous. Pour que la pluie ne tombe pas pendant 3 ans et demi sur la terre, il a fallu simplement que cet homme dise à la pluie, pluie, ne tombe pas, arrête-toi. Et pourquoi pluie a exécuté? C'est parce que de sa bouche sortait une puissance. Il y avait l'autorité. Amen. Il savait que celui qui est en train de parler là, c'est pas mon créateur, mais c'est l'image de mon créateur il sur la terre. Il devait obéir parce que c'était la Alléluia. Sainteté en personne. Donc quand tu parles aux eaux, le eau est obligé de t'obéir. Tu lui dis, toi, le zoo de mon village, toi qui combats ma destinée, toi qui combats mes enfants, est-ce que tu ne sais pas que moi je suis un enfant de Jesus. Dieu? Est-ce que tu ne connais pas mon identité? Au nom de Jésus-Christ, je te dis que le feu de Dieu te chauffe maintenant. Sois chauffé, sois chauffé, sois chauffé. Et que tout ce que tu as gardé, tout ce qui m'appartient, tout ce qui appartient à ma famille, tu le lâches maintenant. Au nom de Jésus-Christ, et tu crois à ce que tu dis, tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas badiner, comme on disait à l'école, il ne faut pas badiner avec cet aspect de combat. C'est un combat qui est sérieux. J'aimerais partager une expérience que Dieu m'a montrée par rapport aux esprits des eaux. Dieu m'a montré en vision comment eux, les esprits de Dieu, les esprits des eaux, font aux hommes quand ils les attrapent. Dieu m'a conduit en vision. J'ai vu, j'étais où, homme de Dieu? Je voyais comme dans l'aquarium, j'étais dans l'eau. Je voyais les prisonniers que les esprits marins ont captivés. Où est-ce qu'ils les mettaient? Ils les mettaient dans l'eau. Vous savez, l'eau, la formule de l'eau chimique, c'est quoi? C'est H2O. Donc il y a l'hydrogène, il y a l'oxygène. Il y a l'hydrogène deux fois, il y a l'oxygène. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que dans l'homme, il y a l'eau, il y a aussi l'oxygène. Donc l'homme doit respirer. Parce que l'homme n'a pas la respiration comme le poisson dans les nageoires que l'eau peut rentrer. Donc l'organisme de l'homme est différent, il ne sait pas respirer dans l'eau. Et il sait respirer ses mains dans les airs. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils attrapent les gens, ils les mettent dans une forme, une grande aquarium. Je voyais des gens, des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, des innocents, des bébés, des jeunes, des adolescents dans ces aquariums. Et dans cet aquarium, il n'y avait pas la formule que Dieu a créée, H2O. Il y avait seulement H2. Il manquait eau. Il n'y avait pas d'oxygène. Et les gens étaient là. Ils mouraient à petit feu. Il n'y avait pas d'oxygène pour respirer. Les gens respiraient. Les gens saignaient du nez. Parce qu'il n'y avait pas l'oxygène pour les ramener. Vous savez, quand quelqu'un tombe évanoui ou quelqu'un perd connaissance, la première des choses, quand les secours viennent, ils font quoi? Ils donnent l'oxygène. Mais c'est l'oxygène qui ramène l'eau à la vie. Tu sais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils suspendent l'oxygène. Dans ces environnements-là, il n'y a pas l'oxygène. Et l'homme commence à respirer. Il n'y a rien pour nourrir la vie. Il y a le sang.
et tu vas voir comment les gens sont en train de crever à petit feu. Les gens meurent comme ça. C'était terrible. Je regardais les cadavres. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, l'ange me dit, ça c'est la prison des eaux. Donc eux, quand ils viennent, ils enlèvent la chose qui fait que l'homme peut vivre. Alors eux, quand nous les trouvons dans notre camp aussi, nous aussi nous enlevons la chose qui fait que eux, ils peuvent vivre. Nous enlevons l'eau. Nous asséchons l'eau pour que eux aussi ne vivent pas. Donc en fait, c'est ça vraiment ce qui se passe. C'est pourquoi tu verras, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des maladies respiratoires, de l'insuffisance rénale, et tout ça. Donc en fait, qu'est-ce que le diable fait? Les problèmes d'asthme, les problèmes, tout ça. Le problème de ce l'asthme. En fait, c'est l'âme de la personne. L'âme de la personne a été emprisonnée dans un endroit, dans le zoo, où il n'y a pas l'oxygène. Donc ils ont retiré l'oxygène. Ils ont pris l'âme de la personne, ils l'ont emprisonnée dans une prison, dans l'eau. Où il n'y a pas l'oxygène. Alors le corps de cette personne sur la terre commence à manquer de l'oxygène. Et le gens ne comprend pas, mais comment cet homme est en train de s'étouffer? Parce que son âme est emprisonnée dans l'eau. Son âme est dans une prison où il n'y a pas l'oxygène. Dans sa vie, il est toujours étouffé. Il a toujours des déceptions amoureuses. C'est son âme qui est en train d'étouffer. Donc l'âme est étouffée. Aussi longtemps que l'âme est étouffée, le corps ne peut pas vivre normalement. Parce qu'on t'a mis dans un environnement où tu ne peux pas vivre. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a placé l'homme sur la terre. Une fois que les esprits des eaux te prend et t'emprisonne dans les eaux, tu ne peux plus bien vivre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'endroit idéal pour ta destinée, pour ta vie, pour ta survie. C'est pourquoi nous devons sortir des eaux et nous devons les amener sur la terre. Alléluia. Nous allons assécher leurs eaux. Nous allons le prendre et les amener sur la terre. De la même manière que ils nous emprisonnent dans le zoo, nous allons les emprisonner sur la terre. Et c'est sur la terre que nous allons écraser leurs têtes. C'est sur la terre que nous allons détruire les esprits des eaux qui ont combattu ou qui ont détruit notre destinée. Toutes les maladies d'insuffisance, homme de Dieu, ont pour origine esprit des eaux. Insuffisance rénale, insuffisance respiratoire. Surtout respiratoire. Les allergies. Tu verras, les allergies des enfants. Ah, l'enfant, tout ça, il y a des allergies, il y a des choses comme ça sur la colle, le peau. Donc tout ça, ce sont les zones de vie de l'enfant qu'on est en train d'emprisonner. Et l'enfant est en insuffisance à cause de ça. Tu ne peux pas savoir combien. Les genres de choses, ce sont les maladies démoniaques qui sont pour origine les esprits des eaux. J'ai vu ça en vision, j'ai vu tout genre de maladies que les esprits des eaux peuvent communiquer. Ils enlèvent l'oxygène, ils enlèvent la vie à la personne. Amen. Vous ne pouvez pas savoir combien le diable est méchant. Vous ne pouvez pas comprendre comment je suis en colère contre ces esprits. Vous ne pouvez pas imaginer combien ils sont contre nous quand nous dévoilons ce genre de choses. Mais nous croyons... Et nous sommes attaqués tout le temps quand nous disons ces choses. Mais nous savons que Dieu est avec nous et Dieu nous garde pour que nous puissions encore bien pas faire. Pas plus tard, encore cette nuit, nous avons été attaqués, homme de Dieu. Amen. Sirène est arrivée jusqu'à notre lit pour nous intimider, pour nous dire qu'il faut arrêter ces choses. Mais au nom du Seigneur, nous ne sommes pas intimidés à ça. La vérité sera dévoilée et les lits des eaux doivent apparaître. Donc nous comprenons que quand ils viennent nous intimider, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur règne prend la fin. Ils sont arrivés à la fin de leur règne. C'est comme ça, ils sont dévastés, ils sont dépaysés et ils ne savent plus rien faire. Est-ce que ce matin, toi et moi, nous pouvons élever le nom de celui qui nous a donné le pouvoir? Amen. Celui qui nous a donné le pouvoir, nous allons élever celui qui nous a donné le pouvoir. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Nous voulons élever le nom de Jésus, le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous sommes sauvés. Le nom qui n'est pas comme les autres noms. J'attends quelqu'un qui élève le nom de Jésus-Christ ce matin. J'attends une femme qui élève le nom de Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Le Jésus qui nous a délivrés de le lit des eaux. Élève le nom de Jésus-Christ. Commence à élever le nom de Jésus-Christ ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, j'ouvre ma voix. Ce matin, je lève ton nom. Je lève ton nom au-dessus de tous les noms. Je lève ton nom parce que ton nom est Jésus, élevé. Jésus de Nazareth. Jésus, la Bible déclare. Toi qui es à Paris pour Dieu t'a souverainement élevé.
et t'a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Car à ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Dieu. Ce matin, de ma bouche, de ma langue, je confesse que tu es Seigneur. Ce matin, de ma bouche, de ma langue, je confesse que tu es Dieu. Ce matin, je fléchis mes genoux et j'obéis à ta seigneurie, j'obéis à ta gloire, à ton royaume. Tu es vrai, tu règnes et tu es Seigneur. Je t'appartiens, je suis privilégié. Quelle grâce c'est de t'appartenir, Seigneur. Je sais que toi, tu m'as donné le pouvoir de dominer sur le jeu de la mer. Je suis dans la joie, Seigneur, de me révéler ces choses. Les choses que mes parents ne savaient pas. Les choses que mes grands-parents ne savaient pas. Les choses que mes arrière-grands-parents ne savaient pas. Les choses que mes ancêtres ne savaient pas. Seigneur, tu m'as révélé ces choses. Je t'ai béni, ô éternel Dieu de gloire, pour ton amour envers moi. Que ton nom soit glorifié. Merci à toi, le Dieu de la vie. Même si j'ai connu des rituels. Merci, même parce si j'ai que été tu as permis, de Seigneur, que je puisse être un canal de bénédiction pour ton peuple. Ce matin, je suis dans la joie, Seigneur Jésus, de contempler ta présence, de contempler ta magnificence. Seigneur, je te bénis pour ta présence dans ma vie. Je te bénis pour ton assistance. Je te bénis pour la connaissance de cette parole. Adore Jésus. Nous voulons adorer Jésus. Ce matin, nous voulons adorer Jésus. David a dit de paroles de charme bouillonnent dans mon cœur. J'aime comment il parle dans le psaume 18. Il dit je t'aime, ô éternel. Tu dois écrire quelque chose. Tu dois parler. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Seigneur, que je t'écris ce matin. Le 24 vieillard. Le 4 est vivant. Il faut la répétition. Il dit simplement Saint. Éternel Dieu le Tout-Puissant. L'univers et la terre sont remplis de ta gloire. Mais nous avons des mots à dire à Dieu. Nous avons des phrases à composer. Nous avons de poèmes à lui dire. Aujourd'hui, j'attends quelqu'un qui compose un poème à la gloire de son Dieu. Roi de roi, Seigneur de Seigneur, le Créateur. Alléluia. Saint de Saint, Saint d'Israël, je t'aime, mon Rédempteur. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. L'amour de ma vie. Je t'aime tellement, Seigneur. Je t'aime plus que tout. Car tu m'as démontré ton amour. En premier, Jésus, tu es venu vers moi. Tu m'as montré ton amour. Tu m'as ramassé. Tu m'as tiré du plus profond des eaux. Tu m'as tiré de la boue. Tu m'as lavé. Tu m'as purifié. Tu m'as donné un sens, Seigneur. Je t'aime. Alléluia. J'attends quelqu'un qui dit avec moi, je renonce. Je renonce à toutes les alliances à maléfiques. Toutes les alliances maléfiques qui ont été faites entre ma famille et les esprits des eaux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah non, j'attends quelqu'un qui dit je renonce. Je renonce. Je refuse. Je refuse. Je renonce. Je renonce. J'annule les alliances qui ont été faites dans les ténèbres. Entre ma famille et les esprits des eaux. De mon village. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la représentante. Légale de ma famille. Je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Devant toi, Satan. Le Léviathan. Pour annuler. Toute alliance qui a eu. Depuis que ma famille existe. Jusqu'aujourd'hui. Entre un membre de ma famille et tes esprits. Au nom de Jésus. Que ces alliances soient annulées. Que ces pactes soient annulés. Je viens aujourd'hui. Déchirer. Tous les contrats. Qui ont été signés. Dans les eaux. Entre le représentant de ma famille. Et les esprits des eaux. Je déchire ces contrats. J'annule ce contrat. Je déchire ces actes. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus d'alliance. Entre les esprits et ma famille. Étant la représentante de ma famille. La fille de ma mère. Le fils de mon père. Je viens devant toi. J'annule les alliances. Qui nous associaient. Au nom de Jésus-Christ. Commence à briser les alliances maintenant. Commence à annuler les alliances maintenant. Les alliances
signatures qui ont été contractées, toutes les signatures qui ont été faites. Oh, je vois que le sang de Jésus pour effacer les signatures de mon grand-père qui ont été faites il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, je ne sais pas combien de temps. Il y a eu ces signatures, mais je viens les annuler aujourd'hui. Je viens les effacer aujourd'hui. Alléluia. Commence maintenant à annuler. Oh, tu dis, quel que soit ce qui a été commis, quel que soit ce qui a été fait, entre mes ancêtres et les esprits des eaux, aujourd'hui, j'annule toute alliance, toute pacte, toute relation qui était entre les eaux et le membre de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, esprit de Zohar, je viens aujourd'hui comme le représentant de ma famille, annihiler tout acte, toute alliance, toute négociation, toute association entre vous et nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence encore à briser les alliances. Commence à libérer ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence maintenant à annuler cette relation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, commence à prier maintenant. À travers au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève, alléluia, il est nul et sans effet, aucune personne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon mariage n'est pas soumis, mes enfants ne sont pas soumis à cette loi, au nom puissant de Jésus. Oh, tu dis avec moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'assèche toutes les eaux à moi qui servent de connexion, des contacts aux esprits des eaux. À moi j'assèche tous les eaux qui servent de connexion aux esprits des eaux. Dans ma maison, j'assèche les eaux. Dans la maison de mes parents, j'assèche les eaux. Dans mon village, j'assèche les eaux. Que le feu de Dieu assèche tous les eaux qui est à moi. Au nom de Jésus-Christ, invoque le feu de Dieu maintenant. En toi et tout autour de toi. Dans mon corps, dans ma maison, dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Que tous les eaux qui sont là soient asséchés maintenant. Au nom de Jésus, commence à sécher les eaux. Commence à sécher les eaux. Nous sommes en train d'assécher les eaux. J'assèche les eaux. Les eaux, au nom de Jésus. Commence à sécher les eaux maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne. Alléluia. Que tous les eaux tarissent. J'ordonne que tous les eaux tarissent. J'ordonne que tous les eaux tarissent. J'ordonne que tous les eaux tarissent. J'assèche les eaux. J'ordonne. Au nom de Jésus, que tous les eaux tarissent. Au nom de Jésus, j'ordonne. 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 Que tous les eaux tarissent. J'ordonne. J'ordonne. Que tous les eaux tarissent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à briller maintenant. Que le feu de Dieu brille, chauffe tous les eaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à sécher les eaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les eaux dans la maison de mon père, dans mon village, soyez taris maintenant, soyez asséchés maintenant. La maison de ma mère, j'assèche les eaux. Au nom de Jésus, tout est prisonnier dans ma maison, dans ma famille qui y réside encore. Soyez libérés au nom de Jésus. Oh, j'entends quelqu'un qui dit avec moi, je brise les hôtels des esprits des eaux dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise les hôtels qui sont dans les eaux sur lesquels ma vie est représentée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Je brise les autels qui sont dans les eaux sur lesquels mes enfants sont représentés. Au nom de Jésus-Christ, je brise la prison qui est dans l'eau et qui combat ma destinée, qui a enfermé ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, que les eaux soient asséchées et que la porte de la prison soit brisée maintenant. Je libère de la prison des eaux tout ce qui m'a été capturé au nom de Jésus. Écoutez-moi bien, aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, le butin du puissant lui sera arraché. Le puissant, c'est l'esprit des eaux. C'est le Léviathan, plus fort que le Pharaon. Nous savons que quand il devient Léviathan, il devient trop fort. Il dépasse la force du Pharaon. Mais aujourd'hui, nous rentrons dans le zoo. Nous allons le poursuivre là dans le zoo. Et nous lui disons, donne-nous tout ce que tu as enfermé dans le zoo. De la même manière que Jésus-Christ est allé jusqu'au bas de la terre pour récupérer la clé. Tu vas aller dans le zoo. Tu vas faire vraiment le mouvement. Geste compte. Tous les gestes comptent. Tu rentres dans le zoo. Tu vas récupérer maintenant tout ce qu'ils avaient volé dans ta vie. Tout ce qu'ils avaient emprisonné dans leur prison. Parce que la porte de la prison a été ouverte. Depuis 2000 ans sur la cour. Cette porte est ouverte. Rentre dans leur prison maintenant. Reprends ton mariage. Rentre dans les profondeurs des eaux. Rentre bien aimé dans le Seigneur. Rentre dans les profondeurs des eaux. Commence à récupérer tout ce qui a été volé dans ta vie. Tout ce qui a été volé dans ta vie. Tout ce qui a été capturé par le puissant. Tout ce que la sirène avait pris. Tout ce que les esprits des eaux avaient volé dans ta vie. Oh, tu es en train de le récupérer maintenant. Oh, toi, sirène des eaux. Je récupère tout ce que tu as volé dans ma vie. Peu importe le nom que tu portes, que tu sois, oh, hallelujah. Je ne veux même pas, Oh, Poseidon, je te dis, donne-moi Dagon, je viens contre toi aujourd'hui. Au nom de Jésus, sirène des eaux, je viens contre toi aujourd'hui. Au nom de Jésus, oh, je viens contre toi aujourd'hui. Au nom de Jésus, esprit des eaux, je viens contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit asséché. Que ton nom soit tari maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On commence à prier maintenant. J'attends une femme qui prie. J'attends un homme qui prie. Au nom de Yeshua. Que les eaux soient asséchées. Esprit des eaux, je viens contre toi. Au nom de Jésus-Christ, j'écrase ta tête. Alléluia. J'écrase ta tête. Oh, j'attends quelqu'un qui vient avec moi. Je prends le marteau du Saint-Esprit. Ah non, je ne t'entends pas. Je prends le marteau du Saint-Esprit et je brise la tête de Léviathan, la tête des sirènes, la tête de tous les esprits maléfiques qui sont dans le zoo et qui ont toujours combattu ma vie, qui ont combattu ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je sors des zoos où ma vie a été emprisonnée. Oh, je retrouve l'air. Oh, je retrouve l'oxygène. Au nom de Jésus-Christ. Fini l'insuffisance respiratoire. Fini les maladies de jour dans mon corps. Au nom de Jésus. Toutes les maladies qui ont été provoquées par les esprits de jour dans ma famille. Fini. Fini. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de jour. Non, esprit de jour. Reprends tes maladies dans ma famille. Au nom de Jésus. Je refuse. L'héritage de maladies des esprits de eaux dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Fini les insuffisances respiratoires. Fini les allergies sataniques. Fini le problème des alliances avec les eaux. À partir d'aujourd'hui, je vais manger tout ce qui provient des eaux. Au nom de Jésus, je n'ai aucun respect à tout ce qui provient dans l'eau, car Dieu m'a donné le pouvoir et l'autorité. Dominer. Au nom de Jésus, prends le marteau, j'écrase la tête de tout le Léviathan, de toutes les sirènes, de tous les sirènes, Kokowata, Nokowata, Manawata, vous tous, les monstres, vous avez les corps des hommes et de bas de poissons, soyez écrasés maintenant, soyez détruits maintenant, oh que les écailles tombent maintenant, oh commence à prendre le paix. Coupez-les maintenant, coupez-les avec le paix. Prends le marteau, coupez-les. Prends le marteau, écrasez leur tête. Prends le paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train de prier maintenant. Au nom de Jésus.
Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. J'attends quelqu'un qui prononce un jugement qui dit avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En vertu de son pouvoir. En vertu du pouvoir. Et de son autorité, et de l'autorité, que tout hôtel, et tout hôtel qui se trouvait dans l'eau, qui se trouvait dans l'eau sur laquelle ma destinée a été sacrifiée, soit maintenant démoli. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ je crase, je démolis les hôtels des esprits de eaux dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout hôtel des esprits de eaux dans la maison de mon Père soit démoli maintenant. In Jesus' name, soit démoli maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise les liens qui est entre moi et les esprits des eaux. Je brise les liens. Le lien de l'âme. Avec toutes les personnes. Qui sont influencés par les esprits des eaux. Au nom de Jésus-Christ, je ne vais plus avoir de relations avec des gens qui ont des esprits des eaux dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prononce le jugement de Dieu. Je prononce le jugement de Dieu que toute anomalie qui provient des esprits des eaux profane aujourd'hui dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux élever ta voix et dire aux esprits des eaux, il n'y a plus de relation entre toi et moi. Dans mes rêves, je ne veux plus te voir. Je ne vais plus me retrouver dans les eaux. Si je me retrouve dans les eaux, je vais assécher ces eaux. Je vais les consumer par le feu de Dieu. Satan, il n'y a plus de relation entre toi et moi. Il n'y a plus d'alliance entre ma famille et toi. Tout a été annulé aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, laisse-moi tranquille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse mon mariage tranquille. Au nom de Jésus-Christ, je récupère tout ce qui m'avait été volé dans le jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je reprends ma sémence qui avait été volée par la femme sirène. Je le remets dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je récupère toutes mes bénédictions qui ont été emprisonnées dans le prison, dans les eaux marines. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix et dis merci à Jésus. Dis-lui merci parce qu'il a écouté ta prière. Dis-lui merci pour les anges qui ont opéré avec toi. Dis-lui merci, il y a eu des anges qui t'ont accompagné dans les eaux et vous avez tout récupéré maintenant. Vous avez détruit. Derrière vous, il y a des grincements dedans, il y a des pleurs. Je vois les esprits des eaux en train de pleurer maintenant. Oh, je vois comment ils sont en train de dire. Lui là, nous ne devons plus aller chez lui. Non, je les attends pas. Ils disent qu'ils ont, ils vont plus venir dans ta vie parce que tu les as fait du tort, tu les as fait du mal. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur, merci. Merci parce que tu permets que maintenant nous puissions traverser les eaux. Que ce soit les eaux du Jourdain, que ce soit la mer Rouge, nous le traversons parce que nous sommes ces sacrificataires qui portent l'arche de l'Alliance sur leurs épaules. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier pour ta journée? Amen. Est-ce que tu peux recommander cette journée entre les mains de Dieu? Entre les mains du Dire Seigneur, à Dieu, Seigneur, cette journée doit être une bonne journée pour moi. Une bonne journée pour que moi. Je sois au bon endroit, au bon moment. Bon endroit, et dans bon les bonnes circonstances. Bonne Alléluia. Que le sang de Jésus aplanit ta journée. Alléluia. Que le sang de Jésus te précède partout où tu iras. Que tu ne sois pas seul. Que tu sois accompagné par le sang de Jésus. Est-ce que tu peux prier pour ta journée? Est-ce que tu peux invoquer le feu de Dieu pour détruire tout ce que le diable avait décrété contre ta destinée aujourd'hui, tout le piège que l'ennemi avait placé sur ton chemin, est-ce que tu peux les écraser maintenant par le feu de Dieu? Est-ce que tu peux prier pour ta journée? Élève ta voix, ma sœur, commence à prier pour ta journée. Oh, dis merci à Dieu pour le rendez-vous que tu auras en ce jour. Alléluia, c'est une journée merveilleuse, une journée que l'Éternel a fait pour toi et moi. Oh, merci pour ma journée, Seigneur. Nazareth. Merci pour Merci mes rendez-vous. Seigneur Jésus pour la journée. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est malade? Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui a des douleurs dans son corps? Est-ce qu'y a-t-il quelqu'un qui a besoin de l'aide de la prière? La Bible nous dit dans Jacques chapitre 5, le 13e verset, si tu es dans la joie, chante de louange. Amen. Mais si tu es malade, appelle les anciens. Je sais que tu peux dire,
que l'apôtre, je n'ai pas ton numéro. Mm. Mais là où tu es, ma soeur, prends ta main. Mets-le maintenant sur ta main. Mets-le sur ta main, là où tu as des douleurs. Je veux prier, je veux parler à la douleur. Je veux parler à la douleur. Alors mets-le maintenant, mets-le sur ton ventre. Je veux parler aux esprits qui sont en train de déranger ton ventre. La Bible nous dit, il n'y aura pas de stérile. Celui qui essaie de limiter tes grossesses, celui qui t'empêche d'être une femme, qui ne veut pas que tu puisses avoir des enfants, l'esprit qui a amené la maladie dans ton corps, je vais lui donner l'ordre maintenant de libérer ta vie. Mets ta main là où tu te sens mal. Mets-les dans ta tête. Tu as des migraines, mets-les dans ta tête. Tu as des problèmes avec chaque fois que tu te sens bien-aimé dans le Seigneur. Tu as des fatigues dans ton corps. Je vais prier pour toi au nom de Jésus. Amen. Satan, écoute-moi. Je te parle au nom de Jésus-Christ. Là où ma sœur a mis sa main, il y a un problème. Que ce soit la douleur, que ce soit la maladie. Au nom de celui que je sers, Jésus-Christ de Nazareth, je te demande de libérer le corps de mon frère, le corps de ma sœur, et d'aller dans le lieu aride. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à la puissance de Dieu de descendre au-dessus de ta main. J'appelle la main de Dieu. La Bible me dit que la main de Dieu ne parcourt. Père éternel, étends ta longue main au-dessus de la main de ma sœur et opère un miracle maintenant sur le dos de ce frère qui n'arrive pas à bouger à cause de ses problèmes de dos. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur les jambes de ta fille, Seigneur, elle a besoin de sortir, accomplir certaines démarches, mais ce pied ne le permet pas. Que le feu de Dieu descend maintenant et touche ses jambes et qu'elle reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main sur le ventre de ma femme, du ventre de ma sœur, du ventre de qui que ce soit, où il y a de myomes, des fibromes, où il y a des esprits qui ont pris le corps, que le médecin a donné un nom, que ces esprits soient démolis maintenant, que ces esprits soient délogés. Je déloge le myome, je déloge le fibrome au nom puissant de Jésus. Je le retire tout ce que leur permet de respirer dans le corps d'une personne. Au nom puissant de Jésus, je leur retire le souffle qui leur permet d'exister, de grandir, de grossir dans le corps de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, je m'énonce le cancer de colon, le cancer du sein, le cancer du utérus dans le corps de ma sœur, là où ta fille a mis sa main. Que ta main puissante enlève le cancer maintenant. Toute maladie cancer, je le détruis maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève la maladie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je rentre dans le prison satanique. Je libère le corps qui a été volé. Je le libère maintenant. Je prends les organes qui ont été volés, cachés dans la prison, dans les eaux. Je récupère ces organes et je le remets en place. Tout ce qui a été détruit par l'ennemi, je le restaure maintenant, je le restitue maintenant en vertu du pouvoir et de l'autorité qui m'a été conférée. Je déclare la guérison dans le corps de mon frère, dans le corps de ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ, démon de la maladie, prends tes bagages, sors au nom de Jésus et ne reviens plus jamais, ne reviens plus jamais au nom de Jésus. Je démolis ta forteresse, ton lieu secret, ta cassette dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Prends tes bagages, Satan, et ne reviens plus jamais. Leviathan, je suis sérieux avec toi. Tu quittes le corps de mon frère, tu quittes le corps de ma sœur, au nom puissant de Jésus. Toutes les flèches qui ont été lancées sur le corps de ma sœur, je les enlève maintenant, et je les jette à son expéditeur. Toutes les flèches de maladie qui ont été lancées dans la vie de nos enfants, nous les enlevons maintenant, et nous les jetons à leurs expéditeurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute maladie qui a pour origine les esprits de jour soit détruite maintenant. Au nom de Yeshua HaMashiach, merci pour la guérison, merci pour la restauration, merci pour la victoire. Merci Seigneur Jésus. Oh, j'entends quelqu'un qui dit merci à Jésus. Merci, commence Seigneur, à élever ta voix merci, maintenant. Seigneur. Et dis-lui merci pour ta guérison. Oh, dis-lui merci pour ta guérison. Commence à bouger ton corps maintenant. Essaye de faire le mouvement que tu n'arrivais pas à faire. Oui, la guérison est là. Tu l'as reçu au nom de
de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la guérison. Merci pour la victoire. Au nom de Yeshua Ramachia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Aujourd'hui, comme je les avais annoncé au début, donc au commencement, nous disons qu'aujourd'hui, c'est une journée glorieuse. Aujourd'hui, c'est le début de notre retraite. Nous irons à Liège. Nous serons là à Raucourt, 286 chaussée de Tongres, à Raucourt, à Liège. Nous sommes juste en face du Cora de Liège. Et la salle, c'est salle italien social. Donc, nous sommes dans cette enceinte-là de centre italien social. Et la salle de l'église Divine Alliance se trouve dans ce centre italien social. C'est juste en face du Cora de Raucourt. Donc, nous serons là à partir d'aujourd'hui. Le programme débute à 22h. Mais pour tous les engagés, nous avons dit, nous serons là déjà dès 19h pour la mise en place, pour préparer l'arrivée de nos bien-aimés qui vont arriver. Donc, à 22h, puis nous disons Alléluia. Et à 13h, le dimanche, nous dirons Amen, que nous allons clôturer le programme. Amen. Donc, nous serons là. Nous allons dire Alléluia à 22h, ce vendredi. Et dimanche, à 13h, nous dirons Amen pour clôturer le programme. Donc, toi qui n'as pas encore arrangé pour venir aujourd'hui, arrange-toi encore peut-être demain, samedi, viens nous rejoindre. Nous serons là, nous t'attendons. Viens nous rejoindre. Si demain, c'est encore très difficile, tu peux faire encore l'effort de venir le dimanche. Mais en tout cas, pendant ces 3 jours, ne manque pas. Si tu ne sais pas venir à Liège, à Bruxelles, il y a culte. Ne dis pas que ah, l'apôtre sera à Liège, il n'y aura pas culte. Et chez Dieu, il n'y a pas de congé. Donc, le règne de Dieu dure à toujours et à perpétuité. Les anges chanteront à la gloire de Dieu a toujours et à perpétuité. Nous les hommes, tous les dimanches, nous viendrons à la rencontre de notre Seigneur a toujours et à perpétuité. Donc nous viendrons à l'église des dimanches à Bruxelles si nous ne pouvons pas venir à Liège, parce qu'il y a nos bien-aimés qui viennent toujours de loin, de France, de Paris, de partout ailleurs, qui ne savent pas venir au programme et qui viendront au culte. Donc le culte sera là bel et bien, la parole sera là, l'adoration sera là, la louange sera là, tout le culte se déroulera normalement comme d'habitude. Ne dis pas que l'apôtre n'est pas là, je ne viendrai pas. Apôtre n'est pas là, mais le Saint-Esprit de Dieu est toujours là, il est toujours présent. Apôtre partira, mais le Saint-Esprit de Dieu restera. Donc tu n'as pas besoin d'apôtre pour venir à l'église, tu as besoin seulement de Jésus, c'est pour cela que tu viens à l'église. Donc nous sommes là à la retraite, nous t'attendons, nous lançons l'invitation, parle autour de toi, partage, communique à toute personne qui a envie d'expérimenter la main de Dieu. Viens. Aujourd'hui, nous allons commencer avec les fondements négatifs. Tu as tellement prié, tu as tellement beau insisté, tu as demandé à Dieu, mais ta vie ne change pas. Tu t'es mis en règle, tu as mis toute ta vie en règle, mais il y a des choses qui ne te décomptent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des fondements négatifs qui te réclament encore. Nous voulons briser ces fondements pour que tu sois réellement, alors réellement libre. Christ nous a franchis pour la liberté. Il faut que nous soyons réellement libres. Voilà un peu ce qui est de programme. Et nous serons en direct sur Pain du Soir. Déjà cette nuit, nous serons en direct sur Pain du Soir. Demain matin, nous serons en direct avec Précédé l'Aurore, en direct de la retraite. Donc, tout ce qui se passera, vois, toi qui n'as pas eu le moyen de venir parce que tu vas travailler, tu es infirmière, tu vas dormir la nuit en service, tu pourras nous suivre en direct sur Facebook. Donc, en tout cas, on essaie de façon que tout soit vraiment en perfection, que tout soit... Pain du Soir, nous serons là de 21h jusqu'à 22h30. Donc, nous serons à Liège déjà, donc en direct sur Pain du Soir. Et à partir de 0h, nous serons toujours sur Facebook. Facebook Live, et puis on va annoncer le programme. On va annoncer le programme pendant la journée. On dira à quel moment nous serons en direct avec nos bien-aimés qui sont ailleurs. Mais nous encourageons les autres de venir. Vous savez, c'est pas pareil entre ceux qui vont prier en distance et ceux qui seront sur place. Donc, Amen. Nous t'encourageons de venir. Fais un effort de venir. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà ce qui était dans notre programme. Je ne sais pas, homme de Dieu, tu as encore quelque chose à rajouter? Non, je n'ai pas autre chose à rajouter. Voilà, donc nous nous retrouvons. Dire une très bonne journée à vous. Une très bonne journée à vous tous. Je vous aime beaucoup. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous portons votre cœur. Vous êtes un canal, une source de bénédiction pour nous. Sans vous, nous ne pouvons pas faire ces choses. Donc, si nous faisons ces choses, c'est parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, nous ne les ferons pas. Donc, vous êtes une bénédiction pour nous. Nous vous aimons tellement. Nous vous bénissons pour votre fidélité. Tout le matin, vous êtes là connectés, vous êtes nombreux. Laisse que le Seigneur vous bénisse pour ça. Voilà, c'était bien là le couple apostolique Bolavie et Honorine Isao pour vous servir. Nous vous disons au revoir et à très bientôt.